Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Tout d'abord, ne vous inquiétez pas pour les lunettes de soleil. Je suis une personne malvoyante. J'ai créé cette chaîne pour montrer aux gens que les personnes déficientes visuelles, mal et non-voyantes, peuvent accéder à YouTube, peuvent accéder à Internet via différents logiciels. On a de grandes possibilités aujourd'hui avec NVDA, JAWS, VoiceOver, Tollback, donc beaucoup de logiciels. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un haut-parleur ultra puissant, le JBL Charge 2, une enceinte qui fonctionne en Bluetooth. Je vais vous montrer sa puissance. Cette vidéo, je l'ai faite pour faire passer le message aussi que nous, en tant que déficients visuels, on est capable, faites passer ce message, faites passer cette vidéo, de faire de l'internet, de faire du YouTube. J'ai encore beaucoup de gens qui me disent comment on fait en tant que déficient visuel. Donc voilà, j'espère que vous allez faire passer cette vidéo au plus grand nombre, que les gens s'abonneront à cette chaîne pour voir les techniques, pour voir comment on fait pour naviguer sur des sites, pour voir comment on navigue sur YouTube en tant que déficient visuel. Voilà, donc on va passer tout de suite à la démo de la JBL Charge 2. J'espère que la vidéo vous plaira. Merci à tous les abonnés actuellement. On est déjà 452 abonnés. Je vous remercie beaucoup sur cette chaîne. Et puis, on va voir tout de suite le détail de cette enceinte qui est vraiment très puissante et de très bonne qualité. Plusieurs photos montrant les détails de l'haut-parleur JBL Charge 2, les connectiques. Merci donc de regarder cette vidéo. On va donc parler de l'enceinte JBL Charge 2, une enceinte très puissante, très design. Alors pour vous expliquer, c'est un cylindre où on va avoir la possibilité de la poser de différentes façons. Dans un premier temps, je l'ai positionné sur son panneau de contrôle. Alors son panneau de contrôle possède des détails tactiles qui permettent pour nous en tant que malvoyants d'avoir accès à ces boutons. Donc ici, je vais vous grossir de très près. On a donc le plus et le moins déjà qui sont en relief. Et ensuite, on a nos deux boutons marche et le bouton Bluetooth. Ils sont complètement à gauche de l'enceinte quand on l'a devant soi. Rebondissent un petit peu par-dessus le panneau de contrôle de l'enceinte. À l'opposé donc du plus, on a une particularité. Avec cette enceinte, on va pouvoir se servir de Siri et de son téléphone. On va pouvoir répondre à partir de l'enceinte. Car comme vous le voyez ici, j'essaye de vous grossir ceci très gros. On a à côté du téléphone un tout petit trou qui va nous permettre de discuter avec nos amis, le téléphone. Et ici, on va avoir la possibilité d'appairer jusqu'à 3 appareils. Alors la particularité, c'est que dès que vous allez lancer un appareil, la JBL va prendre le relais. Alors elle est très puissante, différentes possibilités de la positionner. On peut la positionner sur sa tranche, car de chaque côté, elle a des supports en caoutchouc qui permettent de la mettre droite. Ça fait que c'est un cylindre droit comme un i. Et vous avez donc plus de basses qui vont sortir de l'enceinte ici. Comme vous voyez ici, l'enceinte va sortir plus de basses vers le haut. Vous allez entendre un peu le son tout à l'heure. 12 heures d'autonomie, c'est assez conséquent. Et elle sort jusqu'à 50 décibels, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ici, l'enceinte, quand on la pose sur son pied, là, un pied à caoutchouc qui, justement, la maintient parfaitement sur n'importe quelle surface. Ce pied, je vous le mets ici sur l'écran. Donc, ce pied est vraiment, prend pratiquement toute la longueur de l'enceinte, ce qui lui donne une adhérence aux surfaces parfaite. L'enceinte par elle-même a deux côtés où elle distribue, elle est complètement ouverte. Donc elle a deux côtés où elle distribue le son. Voilà, ici je vous le mets correctement pour que vous puissiez la voir correctement. Et dans tous les cas, on peut la mettre ou d'un côté ou de l'autre pour pouvoir
écouter le son correctement. Elle a de très bonnes basses, très bon médium, vous allez l'entendre après tout à l'heure. Lorsqu'on l'allume, on a donc, ici vous allez entendre, un petit bruit qui nous signale l'allumage et visuellement, elle vient d'appairer. On a une possibilité, vous allez entendre, lorsqu'on veut appairer certains appareils, on a des bruits qui nous préviennent, écoutez. Donc un bruit de radar qui va permettre de lancer. La recherche avec un téléphone ou une tablette et donc de lancer la recherche de l'enceinte et d'avoir la possibilité de l'appairer, comme je disais tout à l'heure, à trois appareils. Elle a une série de petites LED qui suit tout au long. Je vous le montre de très près. Qui nous montre le niveau de batterie. Les LED sont au nombre de 5. Il y a donc 5 LED qui permettent de savoir le niveau de batterie. La possibilité, je vous le montre de très près, la possibilité de la brancher sur un port jack. Donc ce qui permet de l'avoir en filaire à son appareil. Et ici, on a aussi, je vous le montre de près, la charge 2 a une particularité. C'est que vous allez pouvoir la connecter à votre smartphone et en même temps que vous allez écouter votre musique, l'enceinte va charger votre appareil. C'est quand même assez génial. Livré avec son câble et sa prise murale pour une autonomie de 12 heures. Voilà, donc je vais vous faire entendre plusieurs musiques et vous allez voir au niveau des sons ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous pensez du bien de cette enceinte JBL. C'est parti, on met de la musique. Fire and ice, this love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. YouTube, recherchez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Arrivera d'autres vidéos sur des nouveaux produits, sur des nouvelles choses. L'iPhone 7 Plus, quand je vais le recevoir, dans quelques jours, je vous ferai un déballage.
Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.